Dynamique des fluides. Donc maintenant, les fluides vont pouvoir être en mouvement. Tout d'abord, quelques définitions. La ligne de courant. La ligne de courant est une notion qui est employée très très couramment en mécanique des fluides. Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est tout simplement la trajectoire d'une particule en régime permanent. Comme les fluides sont en mouvement, les particules de ce fluide vont bouger, vont suivre des trajectoires. Mais ces trajectoires, en régime permanent, on va appeler ça des lignes de courant. La petite particule, la petite molécule de fluide, va suivre la trajectoire bleue. À l'instant initial, elle est en P1. À l'instant T, elle est en P de T. Et puis, elle va poursuivre jusqu'à P2, etc., etc. En régime permanent, ces lignes de courant sont immobiles. Le fluide bouge, mais les trajectoires sont toujours les mêmes. C'est ça qu'il est important de comprendre. Deuxième notion, deuxième définition, le tube de courant. Le tube de courant, c'est un ensemble de trajectoires qui traversent une surface S. Donc j'ai pris une surface S ici, mais toutes les trajectoires qui vont traverser cette surface, c'est ce qu'on appelle le tube de courant. Prenons un exemple pour fixer les idées. Par exemple, de l'eau qui circule dans une conduite cylindrique, par exemple le réseau de chauffage central, ou le réseau d'adduction d'eau pour l'eau potable, eh bien ça constitue, cette eau qui circule dans des tuyaux constitue un tube de courant. Un jet d'eau constitue aussi un tube de courant. Quand on suit le jet d'eau, on suit des lignes de courant, des trajectoires qui sont toujours, si on ne bouge pas bien entendu, qui sont toujours les mêmes. Et donc ce tube de courant, on va pouvoir l'utiliser, on va pouvoir utiliser cette notion-là pour décrire le jet d'eau. Donc les particules, il faut comprendre que les particules suivent toujours le même, sont toujours dedans le même tube de courant. On va définir dans mécanique des fluides, en dynamique des fluides, des débits. Le débit, c'est la quantité de matière qui passe par unité de temps. On a deux façons de définir le débit en mécanique des fluides. Le débit massique, qu'on notera toujours QM, c'est dm sur dt, la quantité de masse que divise le temps qui s'est écoulé, dm sur dt. Et donc, on va pouvoir, comme ça, définir le débit massique dans un tube de courant. On vient de définir le tube de courant. Dans un tube de courant, il y a du fluide qui passe, il y a un certain nombre de kilogrammes par seconde qui va passer dans ce tube de courant, et donc ce nombre de kilogrammes par seconde, on appelle ça le débit massique. Par définition du tube de courant, le débit massique est constant le long d'un tube de courant. Pourquoi ? Parce que les particules, les molécules qui sont à l'intérieur ne peuvent pas sortir du tube de courant. Si elles sortaient, c'est que leur trajectoire est à l'extérieur. Par définition, on a dit que ce n'était pas possible. Un tube de courant, ça suit toutes les trajectoires des particules. Donc quand elles sont dedans, eh bien, elles y restent. Donc elles suivent le mouvement, mais elles y restent, elles ne peuvent pas partir. Par conséquent, autant de kilogrammes par seconde va rentrer à l'intérieur du tube de courant, autant de kilogrammes par seconde pourra sortir de ce tube de courant. Et donc, ça, cette notion-là, c'est la notion de conservation de la masse. La masse ne peut pas disparaître. Elle ne peut pas s'accumuler non plus à l'intérieur du tube de courant. Ça ne marcherait pas à long terme. Par conséquent, cette loi-là de conservation de la masse, elle est très importante, on lui donne un nom, c'est la loi de continuité. Et la loi de continuité, elle dit QM est égal à DM sur DT, est égal à constante le long d'un tube de courant. Il faut d'abord définir le tube de courant, et après on pourra appliquer le fait que le débit massique est constant le long du tube de courant. Il est le même partout. Autant de kilogrammes par seconde au point A, si le point B est un peu plus loin sur le même tube de courant, eh bien, il y aura le même débit massique. Deuxième débit que l'on peut définir, le débit volumique. C'est la quantité de volume par unité de temps qui va circuler dans un tube de courant, d de V sur dt. Alors, d de V sur dt est bien sûr relié à dm sur dt, à qm, le débit massique. Il est relié par la masse volumique. Et donc, en fait, ce débit volumique peut être exprimé, ce d de V sur dt peut être exprimé comme étant dm sur rho dt. Et si dm sur dt est constant, eh bien, à condition que ρ soit constant, eh bien, QV sera constant également. Par conséquent, le théorème, le long du tube de courant, la loi de continuité s'exprime comme étant QM, débit massique, est égal à constante. Et si en plus ρ est constant, donc pour les fluides incompressibles, QV
qui est dV sur dt, sera lui aussi constant. On aura Qm et Qv constants pour tous les fluides incompressibles. Par contre, pour les fluides compressibles, on n'aura que Qm égale constante et pas l'autre. Établissons l'expression de Qv, le débit volumique, le long d'un tube de courant. Prenons un tube de courant avec une petite surface, une petite section S, et on va supposer que les molécules traversent cette surface S, donc le fluide circule dans ce tube de courant, hein, donc il va plutôt d'en bas en bas à gauche vers en haut à droite, et il circule dans ce sens-là. Et donc à l'intérieur de ce tube de courant, la vitesse moyenne de toutes ces molécules sur la section S, on va l'appeler V. Durant un temps dt, il va passer au travers de la surface S un petit volume. Quel est ce petit volume? Ce petit volume, c'est un cylindre. C'est un cylindre qui est compris entre S et puis le deuxième petit disque qui est un peu plus haut ici. Ce cylindre, le volume de ce cylindre vaut S, c'est la surface de base, que multiplie l'épaisseur, la hauteur du cylindre. La hauteur du cylindre, si les molécules vont à la vitesse V et qu'on se met un temps dt plus tard, mais elles ont parcouru V dt. Donc le petit volume dv, c'est S que multiplie V dt. Exprimons maintenant Qv, le débit volumique. Qv, c'est dv sur dt. Mais d'après l'expression précédente, dv sur dt, c'est S que multiplie V. En fait, le débit volumique, c'est le produit de la section par la vitesse moyenne. Quel que soit l'endroit où on se place dans le tube de courant. Donc un tube de courant, par exemple, dont le diamètre va grandir, la surface S va grandir, ce qui veut dire que la vitesse V, doit, elle, diminuer. Parce qu'en fait, le débit volumique va rester constant, si je prends un fluide incompressible. Et donc, si elle s'applique, la loi de continuité va devenir QV égale constante, mais QV, c'est SV, et donc S1V1 est égal à S2V2, est égal à etc., etc. Où que je me situe le long de ce tube de courant, le produit de la section par la vitesse moyenne, c'est le même. S1V1 est égal à S2V2, etc., etc. Donc voilà pour l'expression de QV, c'est le produit de la section par la vitesse, SV. Établissons l'équation de l'air, du moins dans une version simplifiée, car notre fluide étant en régime permanent, l'équation de l'air va être sérieusement simplifiée, ce qui va nous arranger finalement. Donc, faisons d'abord un petit rappel sur la relation fondamentale de la dynamique. Cette relation fondamentale de la dynamique, c'est la relation entre la force et l'accélération d'un objet. Donc, si je suppose que j'ai un objet matériel, ce coup-ci c'est un objet solide, hein, de masse m, c'est ce que j'ai dessiné ici, qui a une certaine accélération a, ben la force, les forces extérieures qui s'exercent sur cet objet, elles sont égales à m, la masse de l'objet que multiplie a, l'accélération f est égale à ma. Ça, c'est de la mécanique pour les objets solides. Qu'est-ce que ça donne pour un fluide? Pour un fluide, on ne peut pas définir une masse m. La masse m, le long d'un tube de courant, la masse m de quoi? D'une molécule, la masse m d'un morceau de ce fluide, mais ce morceau de ce fluide va circuler dans les tubes de courant, il va partir, il ne sera pas au même endroit un instant d'été après, c'est compliqué. Donc en fait, la masse n'a pas trop de sens ici. Donc en fait, on va modifier cette équation de sorte à la rendre compatible, qu'on puisse l'utiliser pour la mécanique des fluides. Qu'est-ce que ça donne donc pour un fluide parfait en écoulement permanent dans un tube de courant? On va faire plusieurs choses. Première chose, on va définir un volume de test fermé, tout entier dans le fluide, et qui suive la forme du tube de courant. Ce volume test, je l'ai par exemple dessiné en rouge ici. C'est cette espèce de, c'est pas un cylindre, puisque les deux surfaces de base ne sont pas égales, mais c'est donc un volume qui est tout entier dans le tube de courant et qui suit sa forme. On ne laisse pas de fluide s'échapper. Le fluide ne peut pas passer en dehors de ce volume de test. Et on va faire un bilan sur ce volume de test. Sur ce volume de test, durant le temps dt, il va rentrer une masse que je vais appeler dm à une vitesse que je vais appeler V1. C'est une vitesse moyenne.
Donc, durant le temps dt, il rentre dm à vitesse v1. Mais de ce petit volume de test, il va sortir aussi du fluide, évidemment. Le fluide ne peut pas s'accumuler à l'intérieur. Donc, il va sortir la même masse, puisque, loi de continuité, le fluide ne peut pas s'accumuler à l'intérieur. Il sort la masse dm à vitesse moyenne v2. On peut calculer, donc, par conséquent, la quantité de mouvement qui rentre et la quantité de mouvement qui sort. En fait, durant dt, on aura une variation de la quantité de mouvement dmv, d différentiel donc du produit mv, différentiel de mv, qui va être égal à dm v1, ça c'est la quantité de mouvement qui rentre, moins dm v2, la quantité de mouvement qui sort. On factorise dm, dm facteur de v1 moins v2. Dm, c'est la masse. En mécanique des fluides, la masse, c'est une notion qu'on n'arrive pas à manipuler correctement. Et donc, je vais remplacer la masse par débit massique que multiplie dt. Qm, dt. Qm, débit massique que multiplie dt. Donc, au final, la différentielle de la quantité de mouvement, d de mv, c'est qm, dt, v2, v1 moins v2. Eh bien, la force qui s'exerce sur le fluide, c'est d de mv sur dt. C'est la différentielle, la dérivée de mv par rapport au temps. C'est l'équation fondamentale de la statique et de la dynamique. Et si je fais d de mv sur dt, d de mv étant qm dt v1 moins v2, on voit que le dt va s'éliminer, il va me rester qm v1 moins v2. Donc la force qui s'exerce sur le fluide dans ce petit volume test, c'est Qm, le débit massique, que multiplie la vitesse d'entrée des molécules moins la vitesse de sortie des molécules, entrée et sortie de ce volume de test. Voilà, ça c'est le théorème de l'air, c'est l'équation de l'air. Prenons un petit exemple. Imaginons un fluide qui circule dans une canalisation. Ici, c'est une canalisation horizontale. Le fluide circule de la gauche vers la droite, et la canalisation, elle présente un rétrécissement. Intuitivement, on sait que le fluide va pousser sur ce rétrécissement. Il va avoir tendance à pousser. Par exemple, si c'est un petit manchon qui est soudé, la soudure a intérêt à être bien faite, parce que sinon, le fluide va pousser sur cette soudure et va l'arracher. Donc, on va prendre un petit, pour calculer quelle est la force qui va s'exercer, on va prendre un contour fermé. Et ce contour, de manière intelligente, on va le prendre comme étant à la fois en amont et en aval du rétrécissement. On le met pour qu'il contienne le rétrécissement, parce que c'est là que ça va se situer, c'est là que la force va s'exercer. Donc on a une petite surface à gauche, une petite surface S1 avec une vitesse moyenne V1, et à droite, une surface S2 avec une vitesse V2. A priori, on sait que V2 va être plus grand que V1, puisque le tube de courant étant rétréci, le fluide ira plus vite dans le tube de courant rétréci. On va appliquer le théorème de l'air. La force qui s'exerce sur le fluide, c'est Qm V1 moins V2. En fait, ici, il faut bien voir que la force que l'on calcule grâce à l'équation de l'air, c'est la force qui s'exerce sur le fluide. La force qui s'exerce sur le fluide est opposée à la force qui s'exerce sur la canalisation. Si la canalisation, elle est poussée vers la droite par le fluide, c'est que le fluide, lui, il est retenu vers la gauche par la canalisation. Donc ne confondez pas force sur la canalisation et force sur le fluide. Il est bon de faire ce genre de schéma pour bien se représenter ces différentes forces. Celle qu'on calcule à l'aide de l'équation de l'air, c'est la force qui s'exerce sur le fluide. Ici, on va finir notre calcul. On avait Qm, V1, moins V2. En fait, je peux remplacer ces deux vitesses par Qv que divise la surface. V1, par exemple, c'est Qv, débit volumique, que divise S1. V2, c'est Qv que divise S2. Et donc, en remplaçant ici, j'ai remplacé Qm par ρ fois Qv. Au finish, la force qui s'exerce sur le fluide, c'est ρ qv carré, facteur de 1 sur S2, moins 1 sur S1. Cette expression est très très intéressante parce qu'elle montre que la force qui s'exerce sur le fluide est proportionnelle, une fois que vous avez fixé S1 et S2 et que le fluide est fixé, donc ρ est fixé, elle est proportionnelle au carré,
au carré du débit volumique. Donc elle va croître très vite en fonction du débit volumique. On peut arriver expérimentalement à faire des manips qui montrent cette dépendance. Nous allons nous avancer progressivement vers l'équation de Bernoulli qui constitue un gros morceau de ce cours de mécanique des fluides. Mais avant cela, il va nous falloir définir ce que l'on appelle la charge totale d'un fluide. Charge totale ou énergie totale, vous allez voir, c'est similaire, énergie totale d'un fluide. En fait, l'idée, c'est de faire un bilan d'énergie sur un petit élément de fluide. Donc, j'ai dessiné un tube de courant, c'est le tube en bleu. On imagine que le fluide va donc plutôt en bas à gauche, vers le bas gauche, il se dirige en haut vers la droite. Donc en fait, on va supposer qu'il monte, par exemple, ce fluide. Et donc, le long de ce tube de courant, on va prendre deux petites surfaces qui sont mises en pointillé ici. Ce petit élément du tube de courant est repéré sur un axe vertical. Il est à la cote Z. Mais ce petit élément-là, il a une énergie totale qui est égal à PV, c'est son énergie interne, plus MGZ, c'est son énergie potentielle gravitationnelle, plus 1/2 de MV2, c'est son énergie cinétique. En fait, ça, c'est l'énergie totale de ce petit élément. J'ai pris la densité d'énergie et je l'ai multipliée par le volume. Donc, l'énergie totale de ce petit élément, c'est PV plus MGZ plus 1/2 de MV2. Qu'est-ce que ça va être la charge du fluide? En fait, la charge du fluide, ça va être l'énergie que l'on vient de définir, ET, que divise la masse. Hein, donc c'est ET sur M, c'est l'énergie qui est mesurée en joules par kilogramme, puisqu'on a redivisé par la masse. Et donc ET, ça sera P sur ρ plus GZ plus 1/2 de V2. C'est la charge du fluide ou énergie totale qui est mesuré en joules par kilogramme. C'est cette énergie-là, c'est cette charge totale, cette charge du fluide, qui va constituer le cœur du théorème de Bernoulli. Donc voilà le théorème de Bernoulli, nous allons faire la démonstration de ce théorème de Bernoulli. On prend un tube de courant, à nouveau. Ce tube de courant est symbolisé en bleu, et on va considérer deux endroits dans ce tube de courant, un endroit où on va noter toutes les grandeurs avec un indice 1, au point 1, et un endroit où on notera toutes les grandeurs avec un indice 2, au point 2. Qu'est-ce qui se passe au point 1? Au point 1, le fluide circule avec la vitesse V1. Encore une fois, c'est la vitesse moyenne. On n'est pas obligé de supposer que toutes les molécules traversent avec la même vitesse. Il suffit que ça soit la vitesse moyenne. Donc, la vitesse V1, on va supposer qu'à cet endroit, la masse volumique du fluide, c'est ρ1, et la pression, c'est P1, l'altitude, Z1. Donc, à cet endroit-là, au point 1, la charge totale, c'est-à-dire le nombre de joules par kilogramme du fluide, ça va être P1 sur ρ1, plus GZ1, plus 1/2 de V1 au carré. C'est E1, la charge totale du fluide au point 1. Même chose au point 2. Vitesse V2, masse volumique ρ2, je me mets dans le cas le plus général où la masse volumique n'est pas égale le long du tube de courant, ça change, c'est la masse volumique ici, c'est ρ2, qui peut-être est différente de ρ1. Donc masse volumique ρ2, pression P2, on est au point 2, à la cote, à l'altitude, Z2. Charge totale, P2 sur ρ2 plus GZ2 plus 1/2 de V2 au carré. On va supposer maintenant qu'entre le point 1 et le point 2, le fluide est capable d'échanger de l'énergie avec l'extérieur. Cette énergie, ça doit être, si je veux la mettre compatible avec les E1 et E2 que j'ai déjà écrits, qui sont en joules par kilogramme, il faut aussi que ça soit des joules par kilogramme. C'est pour ça que je l'ai écrite dw sur dm. dw, c'est un travail, c'est une énergie,
Et dm, eh bien, c'est une masse. Donc dw sur dm, c'est bien des joules par kilogramme. Et donc l'énergie échangée par kilogramme entre le fluide et l'extérieur, entre le point 1 et le point 2, je vais l'appeler dw sur dm. Attardons-nous un peu sur cette situation. On a un tube de courant dans lequel circule du fluide. J'ai l'énergie totale au point 1, c'est E1, exprimée en joules par kilogramme. P1 sur O1 plus GZ1 plus 1/2 de V1 carré. J'ai l'énergie totale en joules par kilogramme au point 2. P2 sur O2 plus GZ2 plus 1/2 de V2 carré. C'est l'énergie totale. L'énergie, elle ne peut pas se créer, elle ne peut pas disparaître. On ne peut qu'échanger d'un type d'énergie dans l'autre. Donc en fait, cette énergie-là, elle va se conserver entre le point 1 et le point 2, sauf que peut-être, il y en a un peu qui a été échangé avec l'extérieur. C'est ça que je vais essayer d'écrire. Donc l'énergie totale en 1 est égale à l'énergie totale en 2, mais à cela près qu'il y a pu y avoir des échanges avec l'extérieur. C'est ce qu'on a appelé dw sur dm. Eh bien, écrivons-le. Ça va nous donner charge totale en aval est égale à charge totale en amont plus ce qui a été échangé. En fait, la quantité d'énergie en joules par kilogramme que j'aurai au point 2 en aval est égale à la quantité que j'avais au début, au point 1 en amont, plus ce qui a été échangé, qui peut être, attention, qui peut être positif ou négatif. J'ai peut-être rajouté de la charge ou j'en ai peut-être enlevé. Pour l'instant, j'ai fait aucune hypothèse. J'ai simplement dit que de l'énergie a pu être échangée avec le milieu extérieur. En gros, cette équation, elle dit ce qui reste en joules par kilogramme d'énergie égale ce que vous aviez avant plus ce qui a été échangé. C'est tout, elle ne dit rien d'autre. C'est l'équation de conservation de la charge totale ou équation de conservation de l'énergie. Donc, écrivons-le. Ici, voici, et l'équation, quand je la détaille un peu plus, s'appelle l'équation de Bernoulli. Donc là, elle est écrite dans le cas général, en régime permanent, mais le cas général, j'ai fait très très peu d'hypothèses. P2 sur O2 plus GZ2 plus 1/2 de V2 carré est égal à P1 sur O1 plus GZ1 plus 1/2 de V1 au carré plus DW sur DM, ce qui a été échangé. C'est l'équation de Bernoulli dans le cas le plus général. Je n'ai pas fait d'hypothèse pour savoir si le fluide était compressible ou incompressible. Je m'en fiche. Cette équation de Bernoulli est capable de marcher dans tous les cas. Ce petit terme d'échange, développons-le un peu pour essayer de préciser ce qu'il vaut. DW sur DM, l'énergie échangée par unité de masse. À partir de dw sur dm, on peut faire quelque chose qui consiste à diviser le dénominateur et le numérateur par dt. Ça va me faire dw sur dt que divise dm sur dt. Ça paraît un artifice, mais ça fait apparaître de suite deux grandeurs qui sont très importantes. Dw sur dt, w, c'est une énergie, c'est des joules. Donc dw sur dt, c'est une puissance. Et donc c'est la puissance dw sur dt. C'est la puissance qui va être échangée par le fluide entre le point 1 et le point 2. dm sur dt, alors là c'est encore plus important, dm sur dt, ben c'est qm, c'est le débit massique. Donc en fait ce terme dw sur dt qui paraissait un peu fumeux, un peu pas très bien défini, c'est rien d'autre que PE, la puissance échangée avec l'extérieur en watts, que divise qm, le débit massique. Et ce PE, cette puissance échangée avec l'extérieur, avec le milieu extérieur en watts, sera soit positive, comme je l'ai dit, soit négative. En fait, on va rencontrer deux types de dispositifs qui vont échanger de l'énergie avec les fluides, les pompes et les turbines. Une pompe va rajouter de la charge au fluide, donc dans le cas d'une pompe, PE sera positif. Une turbine va prélever de l'énergie au fluide. Et donc, dans le cas d'une turbine, PE sera négatif. Et on aura, à la fin du cours, un troisième type de phénomène de viscosité, de frottement, qui va nous faire des PE également négatifs, parce qu'ils vont nous faire perdre de l'énergie. Le fluide perd de l'énergie par frottement.
Et donc ce PE, cette puissance échangée, bien, selon que ce soit selon ce qu'on est une pompe, une turbine ou des frottements, on aura un terme positif ou négatif. Ou rien du tout, bien sûr. On peut avoir ni pompe, ni turbine, et avoir ce qu'on appelle un fluide parfait, c'est-à-dire un fluide qui n'a pas de viscosité, qui n'a pas de frottement, et à ce moment-là, ce terme est nul, tout simplement. Envisageons le cas particulier de Bernoulli pour les fluides incompressibles, ce qui est, je vous le rappelle, ce qui sera notre cas dans la plupart des cas, puisqu'on va faire beaucoup de mécanique des fluides avec des liquides, en fait. Donc, si le fluide est incompressible, c'est que la masse volumique est constante. À ce moment-là, au point 1 et au point 2, en amont et en aval, comme on a considéré, on a la même masse volumique. Ρ est égal à ρ1 est égal à ρ2. En fait, on peut prendre l'équation de Bernoulli précédente et tout multiplier par ρ. Et en fait, ça va éliminer ρ du terme qui était du terme avec P et le faire apparaître sur les autres. Cela va donner P2 plus ρgz2 plus 1/2 de ρv2 carré est égal à P1 plus ρgz1 plus 1/2 de ρv1 carré plus PE sur QV. Attention, on a multiplié par ρ, ce qui a changé le débit massique. Au départ, on avait QM, ce qui le change et qui met maintenant le débit volumique ici. L'équation de Bernoulli telle qu'on l'a ici est exprimée en fait en Pascal. Comment on le voit ? Mais on le voit parce que toute équation de physique doit être homogène. Donc l'unité, ça doit être la même pour tous ces termes que l'on additionne. P2, ben P2 c'est des Pascal dans le système international. C'est la pression au point 2. Donc ρgz2, eh bien c'est des Pascal aussi. 1/2 de ρv2 carré, ce sont des Pascal, etc., etc. Tous ces termes sont exprimés en fait en Pascal. On peut aussi diviser, c'est moins courant, mais on peut aussi diviser l'équation de Bernoulli par ρg. Et à ce moment-là, on a P2 sur ρg, donc on reprend la précédente, P2 sur ρg plus Z2 plus 1 sur 2g fois V2 est égal à P1 sur ρg plus Z1 plus 1 sur 2g V1 au carré plus PE sur GQM, en fait. Et à ce moment-là, l'équation de Bernoulli est alors en mètres. Comment on le voit ? Mais on le voit à nouveau parce que l'ensemble de ces termes doit avoir la même unité. Et comme on voit un des termes qui est égal à Z1 et Z2, ce sont des mètres. Et donc par conséquent, P2 sur ρg, c'est aussi des mètres. 1 sur 2g fois V2 au carré, c'est des mètres, etc., etc. Tous les termes qui sont dans cette équation sont en mètres.